Excellence, Monsieur le conseiller principal du président de la République, William Mitwe, Monsieur le conférencier Luc Michel, cher professeur de l'université, Monsieur le président du comité organisateur de la conférence, chers invités, amis du Burundi, bonsoir. C'est un honneur pour moi, en tant que chargé d'affaires de l'ambassade du Burundi au Canada, à d'intérim, d'accueillir les invités qui ont accepté de prendre la route pour venir partager avec les Burundais et les amis du Canada sur le thème proposé, les vrais enjeux de la crise burundaise de 2015. Soyez les bienvenus au Canada. Nous allons vous suivre attentivement le message que vous allez livrer. Certains ont des questions. Ils auront le temps de poser ces questions pour avoir une vraie information, une information de la source. Nous souhaitons une bonne conférence. Nous pensons que vous allez beaucoup nous écrire. Donc, on vous souhaite une bonne conférence et nous allons vous suivre attentivement. Et nous souhaitons que tous ceux qui sont ici vont suivre la conférence dans la tranquillité et vont rapporter à la maison ce qu'ils auront entendu. Nous vous remercions. Excellences, Monsieur le conseiller principal à la présidence chargé des questions de presse, de l'information, de communication. Excellences, Monsieur le chargé d'affaires à l'ambassade du Burundi au Canada. Excellences, Monsieur Luc Michel. Excellences, Monsieur le professeur Amis Manirabona. Excellences, Monsieur le Président de la Communauté burundaise au Canada, CBCA Inc. Excellences, Messieurs les Présidents de différentes sections de la Communauté burundaise au Canada. Excellences, Messieurs les Présidents de différentes associations de Burundais au Canada et à l'international. Madame la coordinatrice principale de cette activité ici à Québec, distingués invités, chers amis, chers Canadiens, chers compatriotes, bonjour. Bonjour. C'est un honneur pour moi aujourd'hui, et en cette date du 30 juillet 2016, une date où on m'a demandé de préparer un sujet sur la diaspora, sous le thème général, les vrais enjeux de la crise de 2005 au Burundi. C'est un honneur pour moi parce que, étant membre de cette diaspora ici au Canada, et étant fier d'être Burundais, fier aussi d'être Canadien, et j'aimerais alors, je reprends après mes esprits, parce que je me rappelle un peu de tout le tralala qui est passé. Est-ce que ces gens-là sont venus ici? Je pense qu'ils sont disparus. S'ils sont courageux, je pense qu'ils sont ici dans la salle. S'ils sont ici dans la salle, je les encourage de rester, de débattre avec nous.
Nous, les membres de la diaspora burundaise, la communauté burundaise du Canada, nous sommes des personnes, des gens fiers de l'être et fiers de débattre avec n'importe qui, pourvu que notre pays, le Burundi, retrouve la paix. Alors, quel a été le comportement de la diaspora burundaise face à cette crise? Je ne vais pas m'éterniser dans l'émotion, ce n'est pas nécessaire. Je vais aller directement dans le vif du sujet. Mais je ne vais pas oublier de demander à quiconque ici de se tenir debout. Se tenir debout pour défendre notre pays. Se tenir debout pour parler du bien de notre pays. Et se tenir debout pour inviter les Canadiens et le gouvernement canadien à collaborer avec les Burundais en général pour que demain la paix soit une réalité au Burundi. Alors, d'abord, je reviens alors sur le sujet, mais je m'en voudrais de continuer sans noter, sans préciser ce que je voulais dire à propos de cela, parce que vous avez vu des notes, mais ce n'est pas peut-être le moment de le dire, mais on est ouvert pour la paix. D'abord, comment alors se présente la diaspora burundaise ici au Canada? Plusieurs vagues, plusieurs catégories de Burundais ici au Canada et habitent dans différentes provinces du pays ici. Il y a eu la première catégorie que je pourrais noter, c'est les réfugiés. Ce sont les réfugiés des différentes années de crise. La crise que nous traversons aujourd'hui au Burundi n'a rien à voir avec les crises que nous avons connues avant. Nous avons connu des génocides. Nous avons connu des massacres à grande échelle. Aujourd'hui, c'est une crise, mais minime, très minime par rapport à ce que nous avons connu. Donc, ce qui a amené plusieurs réfugiés à habiter ici au Canada. De 72, de 93 et autres. Sans oublier aussi qu'il y a d'autres qui arrivent pour des raisons personnelles. Une immigration choisie, comme on dit en général. Il y a eu aussi dans cette catégorie de la diaspora des étudiants qui choisissent après leurs études de rester ici au Canada. Il y a aussi ce qu'il faut noter, ce qui est très important ici, mes chers conférenciers, surtout les gens qui n'habitent pas ici, Statistique Canada 2015 indique que les Burundais, les Canadiens d'origine burundaise ici au Canada, avoisinent 13 à 15 000. C'est pour vous dire que nous sommes une grande communauté ici au Canada et parmi les plus importantes, peut-être au monde. Comme je n'ai pas beaucoup de temps, je vais directement vous présenter ce que nous avons remarqué comme comportement de cette diaspora pendant cette crise. Le premier groupe que je pourrais identifier, c'est le groupe qui se nomme Sindhu Mujja. Le groupe Sindhu Mujja, il y a plusieurs catégories dans son groupe, mais ce groupe est constitué des opposants au gouvernement en général. Alors, parmi ce groupe, il y a ceux qui refusent catégoriquement le gouvernement burundais
le qualifiant de génocidaire, illégitime et tous les noms que vous connaissez. C'est ce que moi je qualifie de Burundais, de groupe d'opposants burundais, de radicaux, qui ne veulent rien savoir, rien entendre à propos du gouvernement qui est à Bujumbura. Pour des raisons inconnues, ils n'ont jamais accepté d'être dirigés par le parti qui est au pouvoir au Burundi. Le deuxième groupe, c'est le groupe qui se dit refusant seulement le troisième mandat du président burundais. Malgré les décisions de la Cour constitutionnelle, malgré les décisions de l'East African Community, ils crament sur leur position et continuent à dire que ce gouvernement est anticonstitutionnel. Il y a aussi une troisième catégorie de ce groupe d'opposants qui, après avoir participé dans des manifestations, pour le moment, commence à comprendre que peut-être derrière cette question de mandat, il y avait quelque chose de louche. Et il commence à nous rejoindre sur le chemin de la paix. Alors, le deuxième groupe que je n'hésiterai pas à qualifier, qui sont généralement pro-pouvoir burundais, sont constitués de beaucoup de personnes qui ne veulent pas revoir le Burundi sombrer encore dans la violence et la guerre. Pour eux, le président du Burundi actuel, Monsieur Pierre Nkurunziza, a ramené la paix au Burundi, en a reçu plusieurs prix. Et parce que le problème auquel font face les Burundais actuellement n'a rien à voir avec ce qu'ils ont connu dans le passé. Dans cette même catégorie, il y a le groupe aussi qui croit que le problème de gouvernance, comme la corruption par exemple et autres, sont une réalité au Burundi. Et pense aussi que une fois que le peuple a choisi comme Burundais, comme patriote, qu'on doit continuer à accompagner notre gouvernement dans le sens de corriger ces choses qui ne marchent pas. Il y en a aussi des inconditionnels qui sont pour le pouvoir et qui ne le cachent pas. Et des fois, je l'entends souvent, qui sont membres du parti au pouvoir. Ça aussi, il ne faut pas se le cacher. C'est une réalité. Alors, qui dit vrai? Parmi les deux grands groupes, à vous de juger, nous sommes là pour rechercher cette paix. Mais moi, je suis de ceux qui pensent, après avoir vécu ici au Canada, après avoir connu la démocratie à la canadienne pendant quelques années, pense que les principes de démocratie, le respect du choix du peuple, le respect des textes légaux qui régissent nos États, à travers des institutions dûment mandatées pour trancher s'il y a litige ou débat, et surtout le refus de la violence, le refus des coups d'État, le refus de la violence, le refus des coups d'État, la guerre, pour arriver au pouvoir, constitue pour moi des lignes rouges à ne pas franchir.
Alors, ces différents groupes que je viens de vous présenter ont organisé différentes manifestations ici au Canada pour défendre les idéaux, leurs idéaux, et surtout, comme vous le savez, pour influencer les politiques canadiennes par rapport au Burundi. Nous avons remarqué, curieusement, que le groupe des opposants radicaux a commencé ses manifestations bien avant cette crise. Vous vous souviendrez des manifestations dites contre le génocide au Burundi, qui ont été organisées à Toronto, à Ottawa, ou même devant l'ambassade du Burundi au Canada. Aussi, le groupe des pro-gouvernements ont réagi vers l'été 2015 en organisant des manifestations, surtout après avoir été empêchés d'aller voter à leur ambassade par le gouvernement canadien. Ils se disaient outrés de voir ce droit fondamental qui se trouve au cœur même de la démocratie, bafoué par leur propre gouvernement, le gouvernement canadien de l'époque. Alors, je ne vais pas vraiment m'éterniser sur ce sujet. Je pense que j'ai assez ouvert le débat sur le sujet de la diaspora. Alors, j'espère que ces quelques points vont susciter débat ici. Et je serai prêt à partager avec vous les réflexions à ce sujet. J'ai été parmi les gens qui ont toujours voulu privilégier ce choix du choc des idées. Comme vous le savez, du choc des idées jaillit la lumière entre ces différents groupes de notre diaspora, ici au Canada. Je vous encourage à multiplier ce genre d'activité pour que demain, s'il y a une autre association qui organise ce genre de débat, nous soyons facilités par le gouvernement canadien pour pouvoir construire notre démocratie aussi. Je vous encourage donc à multiplier ce genre d'activité pour que la voie des armes que certains semblent privilégier ne prenne le dessus sur la voie de la paix, du dialogue, de la fraternité, parce que malgré tout, nous sommes un même et indivisible peuple, le peuple burundais. Alors, je m'en voudrais de terminer sans mettre une petite parenthèse. J'aimerais, comme président du comité d'organisation, remercier toute personne physique ou morale qui a contribué pour que cette conférence puisse avoir lieu ici. Je remercie particulièrement nos conférenciers. Excellence, Monsieur Willy Nyamitwe. Votre disponibilité et surtout l'amour du débat que vous avez manifesté nous a touchés et nous sommes contents de vous voir ici parmi nous. Mention spéciale, par exemple. Vous avez été ce jour-là du 13 mai 2015 au cœur du refus de l'anarchie, de la lutte contre les Sindoumoudja. Vous avez été au bon endroit et au bon moment. Et vous avez été à la hauteur de votre responsabilité.
Et beaucoup parmi nous ne l'oubliera pas. Monsieur Luc Michel, vous avez spontanément accepté notre invitation. Et malgré tout ce qu'on raconte sur vous, je ne vais pas le dire par exemple, vous êtes ici parmi nous et nous sommes contents de vous recevoir. Vos thèses panafricanistes et surtout vos points de vue sur notre pays ont tombé dans une oreille attentive. Monsieur Amissi, professeur Amissi Manilabona, merci de nous avoir accordé votre temps précieux. Nous avoir apporté votre temps précieux. Je le dis parce que votre horaire était très difficile à gérer. Merci beaucoup. Merci surtout de nous rappeler que la démocratie, les libertés et même les guerres doivent être encadrées par le droit. Alors, sur ces mots, que Dieu bénisse le Québec, la belle province. La belle province. Applaudissez encore. Que Dieu bénisse notre grand pays, le Canada. Sans doute, l'un des meilleurs pays au monde. Après le Burundi, bien sûr. Que Dieu bénisse notre chère patrie. Le Burundi, source du Nil. Il n'y a personne qui conteste ça, je pense. Le Burundi est le pays du miel et du lait. Et surtout, le Burundi, le cœur d'Afrique. Merci beaucoup, merci, merci beaucoup. Je vous remercie, merci.